Bonjour, je vous présente, on va parler du papier de soie. Je vais vous montrer comment faire des fonds texturés avec du papier de soie froissé qu'on va coller avec un principe de vernicole, du bindex, mais en façon vernicole, qu'on va emprisonner et froisser sur la toile pour préparer des fonds. Et ensuite, on va mettre en couleur avec des couleurs transparentes pour faire des jus et venir mettre en relief les différentes épaisseurs. Un truc sympa pour faire des beaux fonds, que ce soit d'ailleurs sur les tableaux figuratifs comme abstraits. Voilà, on va regarder toutes les étapes avec un gros plan comme d'habitude. Bon, la première étape, je pars d'un carton gris épais, 3 mm. Et la première étape, bien sûr, c'est de préparer le fond. Donc je vais appliquer un gesso blanc que j'ai un peu dilué. Première couche, on dilue toujours un peu. Et là, j'en resterai certainement là puisqu'on va faire des techniques mixtes. Bon, et ensuite, pour accélérer le séchage, bien sûr, je vais sécher au sèche-cheveux. Sur le gesso, il n'y a vraiment aucun problème. On va y aller. Ensuite, donc, on va poser du bindex, du binder, du liant acrylique. Par exemple, ici. Généreusement, mais voilà, pas trop. Voilà, et après, un morceau de papier soie, bien froissé. On le pose bien froissé. Voilà. Et on va venir écraser. Vous venez surtout, ça c'est important, bien écraser le papier de soie, bien l'enfermer, l'emprisonner à l'intérieur d'une couche de liant, de bindex. Voilà, vous voyez, pour qu'il reste vraiment que la fibre. Il faut qu'il reste que la fibre, pas de boursouflure, rien du tout. Et donc ça donne ça de près, hein, on voit bien. Pour l'instant, on voit toutes les aspérités, les volumes et la fibre là, qui s'entrecroisent. On ne voit que voilà, en faisant ce geste-là, là, sous la lumière ou sous la... Voilà. Et c'est pour ça qu'on va devoir mettre en couleur et on va passer par plusieurs mises. Donc l'étape d'après, c'est la mise en couleur. Donc j'ai pris une couleur transparente, privilégié une couleur transparente. Puisqu'on va travailler par touches successives, et puis toujours à l'éponge, parce que voilà, on va aller, j'y vais souvent, voilà, par touches successives, et la peinture va accrocher différemment selon qu'il y ait du papier de soie, froissé ou pas. Et le bindex aussi crée une espèce d'une accroche particulière, et la peinture... agit bien avec. Donc on va déjà commencer par faire le fond. On verra après comment on fait pour le reste. Voilà, donc maintenant en revenant dessus en insistant, vous voyez qu'on peut mettre en évidence. Alors pour l'instant je reste avec la même couleur, hein. On peut mettre en évidence les aspérités en frottant, on va. Voilà. Maintenant qu'on a posé notre première couleur et quelques contrastes, quelques ombres. Et que c'est sec au toucher, eh ben on va revenir. Enfin là, je reviens avec une autre couleur pour à nouveau contraster. Cette fois-ci, en mettant assez peu, surtout au départ, et en frottant, autant doucement, peu, pour que la couleur se dépose sur le haut, sur le sommet des pliures, des aspérités.
Voilà, c'est tout simple. Tout simple. Donc, juste l'utilisation du papier de soie, du bindex magique, qui va bien emprisonner le papier. Le papier de soie ou tout autre papier d'ailleurs fin hein, et texturé, ça peut être sympa, on le froisse. On peut aller plus loin avec plusieurs épaisseurs, plusieurs juxtapositions de ce principe-là, avec des couleurs et des jus différents, pour avoir des effets vraiment spectaculaires et magnifiques. Que ce soit dans la peinture abstraite ou même dans la peinture figurative, pour réaliser des montagnes, des minéraux, la mer, enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Merci beaucoup, merci pour votre fidélité, merci pour tous vos échanges.